Coucou mon petit Jojo, ben, c'est avec beaucoup de vraiment beaucoup de tristesse que je t'annonce que j'aurais plus le temps de te répondre aux messages et de te regarder. J'ai vraiment trop de boulot et c'est vraiment avec tristesse parce que tu m'as fait vraiment rire. Mais pour te remercier de tout ça, je voulais quand même ben, déjà te remercier. Parce que cette semaine, j'ai jamais fait autant de pouces grâce à toi. Hein, aujourd'hui, on a dépassé les 900 pouces. C'est énorme. Beaucoup d'abonnés et payants qui sont venus me voir et qui sont intéressés, qui se sont abonnés. Donc déjà, merci à toi. C'est toujours ça de prix, hein, en plus. Tout va bien. Mais je voulais te répondre aussi pour les messages que tu envoies quand même avant de te quitter, parce que il y a plusieurs choses. Déjà, pour te répondre quand même aux messages, tu dis qu'on n'a pas beaucoup de, que j'ai pas beaucoup de messages pronostiqueurs du dimanche. Alors, je vais t'expliquer. Bon, ça, c'est sûr, tu ne pouvais pas le savoir, vu que toi, tu fais généralement un message, et c'est ton comment s'appelle, ton Doberman, hein, ou ton chien de garde. Ou ton ami qui t'écrit, il n'y a que lui, donc vous êtes que deux, donc c'est vrai que tu ne peux pas le savoir. Tu regarderas hein, même les gros pronostiqueurs, hein. D'ailleurs, il y en a un qui est de chez toi, de Lyon, qui a plus de 100 000 abonnés et il n'a pas beaucoup de messages. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas qu'on n'est pas bon, les messages, c'est tout simplement quand on arrive à 5 000 abonnés. Hein, à peu près, entre 5 et 10 000 abonnés, on ne peut pas répondre à tout le monde. Sinon, il faudrait une secrétaire. Donc, on a énormément de messages, donc on est obligé de trouver une solution. Puisque sur YouTube, répondre à tout le monde, il faudrait là, comme. Bon, c'est sûr que ça, tu ne peux pas le savoir, vu que toi, tu n'as qu'un message par jour. En fait, quand on arrive à ce stade-là, on regroupe, hein, soit sur des groupes WhatsApp, alors gratuits, sur des groupes Facebook, gratuits, où tous les abonnés peuvent discuter ensemble, m'envoyer des messages, et au moins moi, je réponds dans le groupe globalement, au lieu d'individuellement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de messages. Mais ce qui compte, c'est les vues, les abonnés, et voilà. Donc c'est pour ça que tous les gens discutent en privé. C'est plus simple. Et comme je te dis, j'ai un groupe Facebook où il y a 37 000 abonnés quand même dessus. Donc c'est pour te donner une idée. Donc c'est sûr que les gens qui sont là, ils ne vont pas écrire à tous les endroits. Ils n'écrivent pas sur. Et puis on n'est pas payé sur les. Comment ça s'appelle? Sur les messages. On est payé sur les vues. Donc tu calculeras, hein, parce que toi, tu en es loin, tes 50 vues par jour. Tu calculeras en 2 ans et demi, 8 millions, plus de presque 9 millions de vues. Tu calculeras ce que ça rapporte par mois. Et si j'étais un pronostiqueur du dimanche et si mauvais, ça, tu as l'air d'être très bon en calcul. Donc, je t'ai noté. Comme ça, tu feras un petit calcul. Ça t'occupera un moment. Dans le groupe Afrique, j'ai 289 abonnés payants qui reviendront régulièrement. S'il donnait vraiment des mauvais pronostics, je ne pense pas qu'il serait là. Donc à 12 euros, puisque je donne une commission à l'abonné qui s'occupe de moi des paiements en Afrique, donc tu calculeras hein, ce que ça fait par mois. Dans le groupe Maroc-Algérie, j'en ai 110 à 18 euros, parce que là, il n'y a pas besoin de commission. Et dans le groupe France, j'en ai 167. Donc tu vois, hein, toi, c'est ce que tu dois gagner peut-être en 3-4 ans de travail, parce que je pense que, grosse bouche, mais tu dois être au RSA. Tu ne dois pas beaucoup travailler. Donc tu calculeras ce que ça fait. Ça te prend un petit moment à calculer. Pour un mauvais pronostiqueur. Et des questions à se poser. D'ailleurs, tu as fait rire beaucoup de mes abonnés. Parce que un mauvais pronostiqueur qui a autant d'abonnés payants,
et d'abonnés gratuits en 2 ans, 2 ans et demi, 25 000 abonnés. Il n'y a pas 25 000 fous qui suivent si c'est nul, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour parler de ça. Donc j'aurais plus le temps, hein, parce que franchement, j'ai assez de boulot comme ça. Hein, avec ça, ben, j'ai monté, moi, une auto-entreprise. C'est mon boulot. Hein, j'y passe 10 heures par jour à peu près, en gros, en comptant les messages, les pronostics, les vidéos, répondre aux gens et tout ça. Donc, tes messages au début m'amusent et ça a amusé beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas toi qui vas faire changer les choses, je ne pense pas. Hein, ça en est loin. Avec tes 50 vues par jour et tes pronostics que tu dis qu'on donne que les favoris. J'ai été connu et justement beaucoup d'abonnés par rapport au tocard que je donne. Hein? Ben, quand il faut jouer les favoris, on en met. Ouais, on ne va pas les enlever pour te faire plaisir. Mais quand tu dis qu'on joue que les favoris, toi, t'as fait pareil, tu fais pareil tous les jours. Sauf que les tocards, tu ne les as pas quand ils sortent. Voilà la différence. Tu critiques aussi ben, le physique. Hein? Même de Yann. Voilà. Mais enfin, toi, on ne voit pas ta gueule. Hein? Ça, tu ne la montres pas. Et je pense que heureusement, parce que déjà, tu ne fais que 50 vues, vaut mieux que tu filmes la télé. Hein? Parce que là, les vues, tu n'en as plus du tout. En tout cas, toi, on ne te voit pas. Hein? Donc, tu lançais des défis ben, que j'ai fait. Hein? J'ai montré les tickets. Tu as lancé un défi, ben moi je t'en lance un, j'aimerais bien voir ta gueule aussi en vrai. Parce que ça doit être marrant aussi. Voilà. Donc voilà, ben, c'était pour te dire tout ça, que j'aurais plus le temps de m'amuser là à regarder tes messages à la con, hein, tout ça, t'envoyer les tickets, j'ai autre chose à foutre aussi. T'écouter tes conneries, pas grand monde intéresse, hein, comme je te dis, à part ton garde-fou, ton Doberman, tu l'appelles comme tu veux, ton ami, ton abonné, t'as que lui de toute façon, donc il n'y a que lui qui répond. Ça intéresse pas grand monde, donc tout ça, j'aurais vraiment plus le temps. Désolé, quand même, merci pour la bonne pub que tu m'as fait parce que franchement, honnêtement, hein, ben, j'ai des pouces, là je te dis aujourd'hui, dépasser les 900 pouces et des abonnés à gogo, mais des abonnés payants. Donc voilà, donc c'est sympa. Merci à toi. Et puis tu feras ton petit calcul, hein. Donc 289 abonnés en Afrique, 110 Maroc, Algérie et 167 en France. Pour te donner une idée, on est dans les... Pas mal. Pas mal. Ouais, je pense que dans l'année, toi, tu ne dois pas le faire. Même, je dirais, peut-être même en 2 ans. Voilà. Et en plus, comme je te dis, tu peux aller voir, ben, vu que tu regardes mes messages et vidéos, j'ai des cadeaux. Donc, quand des gens font des cadeaux, hein, ça y est, dans mes messages, là, il y en a eu un il y a 2 jours, là, même pas. 20 euros en cadeau parce qu'il a gagné avec mes pronostics. Donc, tu regarderas, il y en a quand même souvent, hein, des cadeaux. Donc, si les gens m'offrent des cadeaux, c'est que ils sont contents des pronostics. Voilà, ben, j'ai été très, très content de te connaître. J'aimerais bien voir sur une de tes vidéos le défi quand même avant, ben, voir ta tronche, hein, te faire voir parce que c'est beau de critiquer les autres. Je suis vraiment désolé de ne plus pouvoir t'envoyer de message et tout ça. J'aurais vraiment pas le temps. Et bah, continue, si tu as envie de continuer. Moi, ça me fait de la bonne pub. Et bah, par rapport à ta chaîne YouTube, là, tu en as pour un moment avant d'être monétisé, je pense. Enfin, si tu veux continuer à faire de la pub sur moi, ça me va. Continue comme ça. C'est impeccable. Je te jure, franchement, continue. Tu me fais de la pub gratuite. Ça, c'est vraiment super. Voilà, ben, je te dis ciao, ciao. Continue bien et
Merci quand même pour cette semaine, pour tous ces abonnés que tu m'as emmené et tout ça. Ciao, ciao!